reste le plateau de Benjamin. Ah, c'est le dernier. Benjamin. Benjamin que j'ai motivé pendant toute la série. Hein. Si je peux me permettre. Je l'ai bien motivé. Pour prendre hein. la parole. Permets-toi. Merci beaucoup, chef. C'est un repas light, donc c'est un repas... C'est light. Pensez un peu à soi, un peu pas trop grossir. J'ai fait des chips de courgettes. Et puis un petit club sandwich à l'avocat, à la mayonnaise montée, montée à l'ancienne. Un peu de blanc de volaille. Et puis voilà. Virginie. Si tu pouvais m'apporter maintenant le vrai plateau repas, ce serait bien. Mais c'est super, tu vois, mais moi j'ai hyper faim après ça. Ça c'est très très bon. Franchement, encore une fois, je le redis, la volaille. Mais le club, le club est un peu lourd parce que c'est encore du pain, comme il y a déjà du pain là. On trouve encore avec du pain. Et il manque la touche de fraîcheur qu'on aurait peut-être eu avec le taboulé. Cyril, votre œil de professionnel sur ce plateau? Moi, je trouve que c'est léger. Je pense qu'au niveau où on est aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'amusement et la rigolade. Moi, me servir des chips de courgettes comme ça à brûler, ça ne m'amuse pas, quoi. En effet, jusqu'à présent, on pouvait s'amuser et ça passait. Aujourd'hui, Benjamin, on ne peut plus s'amuser. Parce que la prochaine étape, ça passera pas. Donc je pense qu'il faut vite vous ressaisir et vous remettre au travail. Concrètement. Et je pense que les autres sont en train de prendre du niveau et que vous êtes resté les pieds dans les baskets et les autres sont en train de s'envoler, quoi. Mais ce qui m'a mis en colère, c'est tout simplement, voilà, c'est une accumulation de fatigue aussi. Et puis, voilà, je veux dire, moi, quand ça me parle pas, je fais de la merde. Et quand je fais de la merde, ça se ressent. Et puis, voilà. Et puis après, c'est les critiques, parce que les critiques sont pas toujours bons à prendre.